Va-t'en. C'est pour maman que je me retiens. Mais si tu persistes à rester, je ne sais pas ce que je ferai. Si tu veux revenir, reviens quand je ne suis pas là. Julien. Papa, tu es fatigué. Vas-y, rentre d'abord. Maman doit se reposer. Ah, ok. Rentre d'abord. Tu reviendras. Ok. Je viendrai demain, hein? Maman, allons-y. Entrons. Mon père va bien ? Chut. Hugo, il vient de s'endormir. N'est-il pas réveillé ? Il a repris connaissance, mais ne peut pas parler. Le docteur a dit qu'il fallait observer son état. Repris connaissance ? Super. Oui. Chérie, quand es-tu arrivée ? Vers 14h. Merci beaucoup. Ce n'est rien. Je suis en congé. Je ne travaille pas. Je pense qu'en ce moment, il faut rester auprès de lui et lui parler. Donc, je suis venue. Bien qu'il ne puisse pas parler, il nous entend peut-être. C'est peut-être parce que tu es venue. Et qu'il t'a entendu, qu'il s'est réveillé. Merci à toi. C'est mon rôle de belle-fille. Avant, j'étais occupée. Je n'ai pas pris soin de lui. J'en suis désolée. Je te remercie. Allez, prenons un verre. Vas-y. Demain, tu viendras me voir, avec ton CV. Comment ? Tu as besoin d'un travail stable, de sorte de nous rendre une visite formelle, non ? Donc, je compte te confier un nouveau travail. Tu viendras avec ton CV demain. Non. Ce n'est pas la peine. Actuellement, je voudrais fonder une famille, par mes propres efforts. Bien que je vienne de commencer, Lena et moi sommes encore jeunes. Je vais y arriver. J'ai déjà passé plusieurs entretiens. Tu es tellement responsable. J'en suis content. Pourtant, il n'est pas facile de passer les épreuves de sa mère.
Je suis en bas de chez toi. Viens-tu me voir? Non, j'ai bu un verre avec ton père. Il est très ivre. Je viens de le raccompagner. Je vais rentrer. Va au café à l'angle. J'y vais te retrouver, compris? Ok, j'ai compris. Ah, tu ne tiens pas l'alcool et tu as allé boire avec le président? Combien tu as bu pour être ivre à ce point? Juste 3 bières. 3 bières? Une seule bière te rend ivre. Papa, maman, je sors un instant. Je rentre tout de suite. Hé, rentre vite! Je n'arrive pas à m'occuper de lui. Hé, tu veux vomir? Vomir? Hé! Comment? Tu es enceinte? Je ne suis pas sûre. Il faut faire un test. Dépêche-toi d'en faire un. Mais il faut! Il faut un test de grossesse. C'est embarrassant de l'acheter. Après tout, je suis une fille. Lena, je vais le faire. Hein? Bonsoir, que voulez-vous? Alors, un test de grossesse. Hein? Quoi? Un test de grossesse. Oh, attendez. UN 47. Ah, ok. Bonsoir, que désirez-vous? Que voulez-vous? Oh, je voudrais un médicament pour désenivrer. Quelqu'un qui ne tient pas l'alcool, il a terriblement vomi. Veuillez patienter. Voilà pour vous. Maintenant, les jeunes ont un esprit beaucoup plus ouvert que le nôtre. Oui, vous avez raison. Ils font n'importe quoi. Tenez. Au revoir. Au revoir. Oh là là. J'ai la tête qui tourne. Ah. Je l'ai déjà vu quelque part. Qu'est-ce que tu murmures? Lorsque je suis allée prendre ton médicament, j'ai vu un jeune homme. Il achetait un test de grossesse. N'est-il pas normal? Sa vue de dos me paraît familière. Oh là là, tous les hommes de dos se ressemblent. Dis-moi, où est-ce que tu l'as aperçu? La pharmacie au carrefour. Tu as vu à quoi il ressemblait? Non. Il portait une veste à capuche bleue. Serait-il possible? Chérie, dormons. Oh, ok. Dormons. Dormons. Hey! Tu m'as fait peur. Que fais-tu ici, de bon matin? J'ai acheté des ingrédients pour le petit déjeuner, pour cuisiner la soupe de côtelettes préférée de ta mère. Au lieu de faire des bagatelles, tu ferais mieux de gagner plus d'argent. Oui, oui. Je décide de livrer des journaux et du lait le matin. De cette façon, je pourrais tenir compagnie à ta mère pendant la journée. Est-ce que ça marche? Ça rapporte ça de livrer des journaux? Eh bien alors, ne vas-tu pas faire la soupe? Eh, mais oui, je la fais. Pour ma mère, je vais me retenir. Non, je ne l'ai pas fait. As-tu pas dit que tu allais le faire? J'avais peur. Je ne l'ai pas fait. Et comment faire alors? Ça va, je ne sais pas. C'est bon, c'est bon. Lorsque je l'aurai fait, je te le dirai. Je vais au travail, je raccroche, salut. Voilà, le numéro des faux parents. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver sur Internet. On dit qu'ils se font passer pour les parents des autres. Quand vas-tu les dévoiler? De toute façon, ce n'est pas encore le moment.
C'est quand votre mariage? Si je vous ai appelé, ce n'est pas pour un mariage. Ce que vous voulez, je m'en fiche. Si ce n'est pas pour participer à un mariage, comment avez-vous obtenu notre numéro? Par le biais d'un intermédiaire. Il ne m'a pas dit que vous travailliez que pour le mariage. Cette fois, je voudrais que vous travailliez comme nettoyeur. Je vous paierai 200 yuan de l'heure. 200 yuan de l'heure? C'est vrai? J'ai dit que je pourrais tout faire. Je le ferai. Nous organisons une cérémonie d'ouverture pour un café. Et avons un besoin urgent d'ouvriers. Alors, voulez-vous le faire? Faire du nettoyage? Si je peux gagner 500 yuan la journée, j'irai. Bien, pas de problème. Faisons comme ça alors. Ok, j'irai alors. J'ai une question. N'êtes-vous pas un couple? Nous l'étions autrefois. Nous nous sommes fait passer pour un couple pour participer à un mariage. Ne profite pas de moi. C'est vraiment un bon boulot, hein? Nous mettions des habits de luxe, habitions à l'hôtel. Oh là là, je ne sais pas quand je pourrai encore avoir une telle occasion. Tu as raison. Thomas, tu veux dire que la cérémonie d'ouverture du magasin de l'Oriental aura lieu dans une semaine comme prévu, n'est-ce pas? Oui. Les travaux sont presque finis. Il reste la décoration intérieure et la pose des objets. Y aura-t-il une très grande cérémonie d'ouverture? Oui. Nous organisons un grand cocktail pour l'ouverture du magasin. Nous avons envoyé l'invitation aux personnalités chinoises et étrangères et aussi aux clients VIP de l'Oriental. Y compris les vedettes. Ils l'ont tous reçu. Ah, bien. Très bien. Travaillons ensemble. À l'occasion d'entrer à l'Oriental, de faire monter la décafé au niveau supérieur. Oui, monsieur. Thomaline, sale misérable. Tu ne sais pas encore que le père de Judiki travaille actuellement sur le chantier du magasin Oriental. Avant, il me prenait de haut. Maintenant, c'est lui, le moins que rien. Je n'aurais jamais cru que ce jour arriverait. Comment tu le trouves? Rassurez-vous, ça marchera. Ok. Kathleen, félicitations. Merci. Comment? T'intéresses-tu tellement au directeur? Ah, je pense que Thomas s'intéresse plus à son concurrent, n'est-ce pas? Ah, Thomas, viens me parler dans mon bureau. Thomas, à travers la coopération avec Oriental, j'ai une appréciation de toi qui est complètement toute nouvelle. Les capacités de Thomas sont plus que cela. Maintenant, il est très ambitieux. Hé, Laurent, il paraît que tu connaisses mon fils bien mieux que moi. Je ne pensais pas que travailler pourrait m'enrichir. Maintenant, je vois mon groupe progresser. J'en suis très fier. Tu vois, te ressemble-t-il quand tu étais jeune? Je crois qu'il a d'autres motivations. Et peu importe d'où cela vient... Thomas, j'espère que tu pourras reprendre la vie à café à l'avenir. Tôt ou tard, je vieillirai. Travailler si longtemps dans le milieu des affaires, c'est vraiment fatigant. Maintenant, tu es capable de faire face à toutes les situations. Je pourrai aussi en sortir. Je crois qu'il me faut encore de l'expérience. Mais bien sûr. Penses-tu que j'abandonnerai tout et te laisserai tout gérer? On doit le faire petit à petit. Hein? Oui. Ce qu'il veut dire, c'est que tu agis sans te soucier de rien. Et nous te soutenons, comme ton appui puissant. Merci, Laurent. Hé, Laurent, organise-moi un voyage à l'étranger. Je préfère les clubs de golf,
pour vraiment bien me détendre. Ok, je vais demander à ma femme. C'est son domaine. Ah, Laurent, et si nous y allions ensemble? Tous les deux? Oh, ce n'est pas possible. Ma femme me tuerait, c'est sûr. Le célibataire est plus libre. Comme je suis content. Ce vieux misérable, dès que je pense à lui, je suis content. Je n'aurais pas dû m'enfuir. J'aurais dû me venger. Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai importé des produits des États-Unis, mais le fournisseur m'a soudainement demandé de verser un acompte de 50%. N'avez-vous pas bien parlé des modes de paiement? C'est l'article de base. On en a bien parlé. Mais il y a une dette qui n'a pas encore été recouvrée. Lorsque je la reçois, je vous rembourserai. Papa. On règle les affaires de l'entreprise dans l'entreprise. Et dans l'entreprise, ne m'appelle pas papa. Je ne voulais pas le dire. Mais Judith m'a toujours demandé ce qui s'est passé. Donc je... Prends-tu Judith comme prétexte? Ce n'est pas la première fois. Le problème n'est pas l'argent que tu as pris. Mais c'est ton attitude. Monsieur le Président, juste une fois. Aidez-moi. Va demander l'argent au service financier demain soir. Merci. Merci, papa. Mène à bien ton travail. Si je te rencontre encore, je te ferai perdre la face. Je suis très content aujourd'hui. Allô, chérie? Que fais-tu? J'avais un rendez-vous. Je viens de finir. Qu'est-ce qu'il y a? Comment? On dîne ensemble? Ok, mais où? Ok, à plus tard. Chérie, tu es très belle sans retouche. Les femmes se maquillent jusqu'à la mort. Tu es déjà très belle. Non, je veux être plus jolie, pour toi. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis ensemble comme ça. J'ai un sentiment particulier. Mon cœur bat vite. Commandons maintenant. Que veux-tu manger? Commençons par un verre de vin, d'accord? Ok. Je vais chercher un bon projet au cours de mes congés. Monsieur Zhang m'a dit que, si je pouvais obtenir le projet, il me soutiendra en capitaux. Nous pourrons remporter la victoire et finalement entrer dans l'Oriental. Si c'est le cas, il est sûr que je devienne directeur, non? Connais-tu mes camarades de master? Ils ont tous un statut élevé dans la société, en tant que directeur connu. Je dois bien profiter de ces ressources. Chérie, tu es une épouse merveilleuse à l'échelle internationale. Donc, tu devrais être gentille avec moi. Bien sûr. Et à propos, j'ai une chose intéressante à te raconter. De quoi s'agit-il? Très intéressante. C'est quoi? Tu te souviens du père de Judith? Le beau-père que je déteste. Hein? Devine, que fait-il maintenant? On a dit qu'il avait disparu, n'est-ce pas? Oui. Il avait disparu, c'est vrai. Mais il s'est probablement fait escroquer. Il apparaît de nouveau et n'a pas un seul sou. Est-ce que tu l'as vu? Oui. Je suis allé sur le chantier des magasins Oriental et je l'ai rencontré. Et tu sais quoi? Il y travaille là-bas comme un simple ouvrier. Penses-tu que c'est une grande surprise? Les magasins de l'Oriental? Comment est-ce possible? Oui. Il avait tellement réussi. Là, il en est réduit à ça. Et travaille comme ouvrier. Oh là là. Je n'avais pas du tout pitié. Au contraire, j'en suis très content. Il me semble que je retrouve mon amour propre que j'ai perdu autrefois. Suis-je malade?
Je m'en fiche. Dans tous les cas, je suis très content aujourd'hui. Viens, buvons. Alors, de quoi avez-vous parlé ? Rien. J'avais une urgence. Je suis donc parti. Hé, garçon, apportez-nous du vin. Avoir un enfant. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je t'épouse. Je suis le père. Mais veux-tu être papa? Comment le dirais-je à mes parents? Tu es allé ? Oh, je suis allé boire de l'eau. Lorsque je suis entrée pour me doucher, tu buvais déjà de l'eau. Ah oui, j'ai bu de l'eau. Ensuite, j'ai mangé des fruits. Comment ? Tu as mangé des fruits si tard ? Rien d'étonnant que tu n'arrives pas à maigrir. On fera du yoga demain. Oh là là, chérie ! J'ai une ride de plus sur le visage. Je ne l'avais pas hier. Pourquoi apparaît-elle aujourd'hui ? Rien d'étonnant d'avoir des rides. Tu seras bientôt grand-mère. N'importe quoi. On dit que j'ai seulement une trentaine d'années. Ai-je l'air si vieille ? Je ne dis pas que tu as l'air vieille, mais qu'à ton âge-là, tu peux être grand-mère. Bon, laisse tomber. Dormons pas. Il y a encore longtemps avant que Léna ne se marie et n'ait un enfant. Ne me parle plus d'être grand-mère. Je ne suis pas préparée sur le plan mental. Chérie. Est-ce que tu te souviens de notre ami Yves Chen? Sa fille était enceinte, sans se marier. Ensuite, ils ont fait hâtivement le mariage. Dis donc, si Léna était aussi comme ça? Oh, nous avons bien éduqué notre Léna, sans permettre que ce genre de choses ne lui arrive. C'est honteux, je ne l'accepte pas, moi. Oui, mais en fait, nous ne pourrons pas nous mêler de ses affaires. Tu as raison. Si je dis que si... Comment ? Si notre Léna a mené un garçon plus beau que les acteurs de film, je pourrais l'accepter. Quoi ? Tant qu'il est beau, l'accepteras-tu ? Mais bien sûr. C'est grâce à nos fabuleux gènes que nous pouvons avoir une fille aussi belle que Léna. Tant qu'il est beau, je pourrais tout accepter. J'adore les beaux enfants. Ça me rendra honorable. C'est pour ça. Je sommeille. Éteins. Ok. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. Thank you.
Allô, bonjour. Je suis Julien Lee. Comment? C'est vrai? Ok, d'accord. Ah. Enfin. Finalement une compagnie qui reconnaît ma valeur. Ouais! M'amènes-tu ici? Acheter des vêtements pour demain. Mes habits d'ordinaire ne marchent pas? Mais non! Demain, tu devras être la plus éblouissante. Ne dis rien. Entre. Ok, ok. Donnez-moi. Il est déjà tard. Dépêche-toi de rentrer. Je vais te raccompagner chez toi. Merci. Je m'améliore de plus en plus. Demain, il te faut les mettre pour la cérémonie. Compris? Promis. Bon, j'y vais. Je compte jusqu'à toi. Ensuite, ouvre les yeux. 1, 2, 3. Maman, es-tu contente? Contente? Comment vas-tu? Pour déclarer mon amour. Bien sûr que j'ai le temps. Merci, Thomas. Rentre. Je suis de retour. Maman! Zoé, dorénavant, si tu as encore des événements secrets avec oncle Thomas, il faut me prévenir, d'accord? Non, ce serait plus un secret. Aujourd'hui, j'ai acheté plein de choses. Rentrons. Tu es de retour, Judith. Papa. J'attendais que tu reviennes pour rentrer. Sinon, je crains qu'il n'y ait personne pour les surveiller. Je ne sais pas faire. Ça te va? Je regardais l'heure pour éviter de te rater. Papa, merci. Je t'en prie. Je suis ton père. Je ne veux que votre bonheur. Papa, il se fait tard. Ne rentre pas. Pourquoi tu restes pas à dormir? Elle a raison. Il est trop tard. La lune est si haute. Ne pars pas. Non, je dois rentrer. Demain, je me lève tôt. Je vous dérangerai. Oh, eh bien. Ok. Je te raccompagne. Maman, alors, tu peux m'aider? Je vais le raccompagner. Allons-y. Je pars. Au revoir, papy. Oui, au revoir. C'est le nouveau modèle. Si vous le prenez, on vous offrira des tickets de dégustation d'un nouveau café haut de gamme. Quel café? C'est là-bas, l'ADA Café, le meilleur café de notre pays. Comment? Donc vous allez le prendre? Vous avez l'air de vous intéresser à l'ADA Café. Je pourrais vous en offrir plus. Ah non. Ah non. Il est impossible que je tombe encore sur Hugo Rowe et Charlotte Jo. Monsieur le Président. Puis-je entrer? Ce n'est pas encore prêt. Ah, ce n'est pas grave.
Je veux juste faire un tour. Bonjour, monsieur le président. Bonjour à tous. Continuez de travailler. Continuez. Il reste à peu près une heure avant la cérémonie d'ouverture. Je sais. Je n'ai rien à faire ce matin. Donc je viens en avance. Eh, t'inquiète pas. Je vais descendre plus tard. Et puis, je reviendrai juste à l'heure. Ok. Tu laisses les femmes faire ce genre de choses? Oh. Hey, je vais t'aider. Oh, ça va. Hey. Bonjour, monsieur le président. Merci. Je vais partir. Au revoir, monsieur le président. Faites attention à votre dos, hein. Monsieur Tell? Venez. Pourquoi vous êtes si tard? Oh là là, le bus était en retard. Oh là là, c'est un magasin de haut de gamme. Pouvons-nous y entrer, nous? Nous venons travailler, pas pour faire des achats. Les gens qui travaillent ici sont tous pauvres. As-tu vu quelqu'un de riche travailler comme nettoyeur? Oh, tu as raison. Oui, ça oui. Ça suffit, ne bavardez plus. Vite, dépêchez-vous. Changez-vous là-bas. Oh, allez, tiens, allons-y. Là-bas. Chérie? Ne vas-tu pas à l'Oriental? Ouah! Comme tu es belle. Très belle. Tu ne m'as pas répondu. Je croyais que tu ne voulais pas y aller. Pourquoi pas? En tant que femme du prochain directeur, je dois m'y présenter. Bien sûr. Allons-y, madame la directrice. Ok. Il ne faut pas que vous puissiez me voir, que c'est embarrassant. C'est un modèle limité. Il est approprié pour les voyages et le travail aussi. Si je le prends, le budget pour ce voyage ne sera pas suffisant. Eh ? Hein ? N'êtes-vous pas ? Oula, quelle coïncidence ! Nous nous retrouvons encore. Madame Claude Jean, hein ? Comment ? Claude Jean ? Oui. C'est écrit sur la carte de visite que vous m'avez donnée. Ah ! Oui, c'est ça. Alors, vous avez acheté une valise, c'est pour voyager? Ah, non, je ne fais que regarder. Hey, mademoiselle, s'il vous plaît, faites un paquet pour la dame. Eh, d'accord. Emballez-la. C'est encore une ruse d'escroc. Acheter un sac pour gagner ma confiance, oui, puis me piéger. Hein. Non, je ne peux plus tomber dans ce piège. Excusez-moi, mademoiselle, n'emballez pas, je ne la veux pas. Pourquoi? Vous offrez un cadeau, me fait aussi plaisir, je vous en prie. Excusez-moi, je n'accepte pas les cadeaux des étrangers. C'est le destin, le destin. Et emballez ça aussi. Y a-t-il encore quelque chose en France pour tout de suite? Ok. Mais où est-elle? Madame Jean! Madame Jean! Monsieur le Président, vous venez si tôt? Je suis venu voir la salle de cérémonie. Allez-y. Ok. Allez-y. Cette femme est vraiment intéressante. Elle est différente des femmes vénales. Bonjour, je suis Thomas Lee de l'ADA Café. Je suis sincèrement reconnaissant au cadre supérieur de l'Oriental et à chaque invité présent de participer à la cérémonie d'ouverture de l'ADA Café.
Je vous remercie de vos soutiens de toujours. Maintenant, je vous présente le café phare de l'ADA du magasin de l'Oriental. Veuillez nous donner vos avis. Super. Allez, entrez, s'il vous plaît. Comme votre fils est remarquable. Merci, vous êtes géré. Thomas vient juste de commencer. Il a pas mal de défauts. Il a beaucoup à apprendre. Et comment va votre père, au fait? Très bien, il va bien. Très, très bien. Salut, le présentiel de ma part. Ok, je le ferai. Bien, bien, ok. Merci. Je vous en prie. Okay. Thomas, où est Judith Lee? Elle était là tout à l'heure. Où est-elle allée? Je vais la chercher. Ah. Thomas va la chercher. Ah, je ne parle pas de Judith. Hein? Ah. Excusez-moi, Thomas, regarde Judith. Excusez-moi, j'étais occupé à ramasser des ordures, je ne vous ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Hein? Rien, je suis tombée par distraction. Accompagne-moi aux toilettes. Ok. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça ne va pas? Non, j'ai mal à la tête. Chérie, peux-tu m'accompagner à la maison? Ce n'est pas convenable, je crois. Il faut attendre que le président soit parti. Peux-tu m'acheter du paracétamol? Bien, attends-moi. Ne dites plus rien. Vous deux, venez avec moi. Puis-je vous aider? Est-ce que tu avais Charlotte? Madame Jo, je l'ai vue sortir secrètement par la sortie d'urgence. Bon, merci. Que faites-vous ici? Vous faites exprès de m'embarrasser? Nous venons travailler. C'est un travail à temps partiel bien payé. Oui, ne vous méprenez pas. Comment pouvons-nous savoir que vous êtes ici? C'est qui? Qui vous a embauché? Je ne sais pas. Il semble que ce soit une employée. Une employée? Partez vite avec cet argent. Comment faire avec nos uniformes? Est-il encore important? Ok, allons-y. Oh, allons-y, allons-y. Ça alors. Eh, non, 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 non. Ce n'est pas à cet étage. Partez par ici! Ouais, ok. Alors. Une employée.
C'est sûrement elle qui l'a fait. Judith Lee. Tu es vraiment folle. Excuse-moi. Oses-tu me jouer des tours? Tu me cherches? Je t'ai déjà averti, non? Averti? Je n'ai pas peur de tes avertissements. Ah bon? Si tu n'avais vraiment pas peur, pourquoi étais-tu si pressée de chasser tes faux parents? Comment? Charlotte Jo, écoute-moi bien. Le salaire du péché est la mort. Toi, tu paieras pour tous les méfaits que tu as commis. Ce n'est que le début, Charlotte.却变成了笑话，现在的泪水什么都放不下，他给的伤痕不管多可怕，难道挣扎就是回答？我任性看着你。 不忍心看你惩罚自己，对不起了不是你，却错在旁的无情，你死心。